Bonjour, c'est Mademoiselle Pie et aujourd'hui on va explorer quelques jeux. Alors le site web que j'ai c'est Music Play Online. Alors on va le regarder maintenant. Alors comme ceci, on a musicplayonline.com. Comment est-ce qu'on va aller? On va visiter le site web de Music Junior School. Le page pour Home, c'est ici. Alors, on doit aller au Grade 2, Week 11, la tortue. Alors, ça, c'est semaine 11. Les objectifs sont ici. Si vous voulez, je peux l'expliquer après. Success Criteria, Materials. Alors, ça, c'est maintenant le concept exploration. Alors, on va visiter ceci. Music Play Online, Grades and French. Direct Notice. Oui. C'est ici, exactement. Alors, où est-ce qu'on peut voir? C'est parfois c'est à droite et parfois c'est en bas. Alors, tu dois utiliser un scrolling feature et regarder si c'est en bas ou si c'est à côté. Alors, maintenant on va jouer le jeu Which Rhythm Do You Hear? La prochaine fois, je vais chercher quelques jeux qui sont en français. Mais pour maintenant, j'aime ce site web. Alors, on a quelques niveaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je veux essayer avec niveau, niveau 2. Alors, pour grade 2, why not? Alors, on doit cliquer sur jouer, play. Oh, et on écoute encore une fois. Alors, si tu ne sais pas, on fait comme ça. Alors, est-ce que c'est numéro 1? Doum, 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 doum. Ou numéro 3? Oh, numéro 2. Dum, doum, doum, doum. Ou est-ce que c'est doum, doum, doum? Alors, je vais jouer encore une fois. Numéro 1! Bravo, c'est correct. Alors, on peut aller à la prochaine. Next. Et on écoute encore une fois. Alors, si on que le fait ici, on n'avait pas eu la chance d'écouter. It's like a 1 in 3 chance you get it right. Hey, that was correct, but we have to hear it, what it was. Mais ça, c'est si tu que le essayer, mais toujours jouer le play. Alors, tu peux écouter qu'est-ce que c'est. On a activité 10. Alors, ça commence. Alors, le son, c'est si lent. Ce n'est pas. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, c'est. Qu'est-ce qu'on connaît la différence? Alors, la différence entre ces notes, ce sont les noirs, les crochets et les restes. Alors, j'ai ceci encore. Je vais partager avec vous. Le son de ceci. Alors, les crochets, est-ce qu'ils sont vite ou est-ce que c'est lent? Crochet. Et noir, c'est un peu plus lent. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une reste. Alors, pour une vite revue, crochet, noir, noir. Ça, c'était pour la première. Mais le son encore? Oh, ce n'était pas crochet, mais c'était lent. Alors, un peu plus lent, c'est noir, reste, noir, noir. Est-ce qu'on a entendu ceci? Alors, noir, reste, noir, noir. Alors, la réponse, ce sera numéro 3. Yay! Ok, je vais faire les autres plus vite. Alors, est-ce qu'on est préparé? Noir, noir, noir. Alors, on va essayer si c'était une son. Est-ce qu'on a entendu crochet, 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 noir. Encore une fois. Crochet, crochet, reste, noir. Alors, on doit toujours avoir la puce. Crochet, crochet, noir. Un, deux ou trois. C'est numéro 2. Un. J'ai entendu du deux sons. Bam, bam.
Bam, bam. C'est ceci. Bam, bam, bam. Oh non! Ce n'est pas ceci. Alors j'ai entendu. Un de reste. Noir, noir. Alors c'est un crochet. Alors ça, c'est un exemple aussi. On a pris quelque chose de différent. Crochet. Noir. Alors, est-ce que c'est ceci ou ceci? On va jouer encore. Ba. Reste. Ba. Alors, avant le son de reste, combien est-ce qu'il y a? C'est une. Alors, c'est crochet noir. Noir. C'est ceci. Alors, on va voir la prochaine noir. Reste. Noir. 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 Reste. Noir, noir. Combien de crochets est-ce qu'on a entendu? Alors, crochet, crochet, reste, noir. C'est ceci, numéro 3. À la prochaine. Noir, crochet, noir. On va essayer. Encore une fois. Alors, c'est ceci. Bravo, bravo! Oh, c'était 9. Oh, parce qu'on a essayé avec le try again. Alors, ça, c'est pour la prochaine fois. Essayez encore. Et ça, c'était Which Rhythm Do You Hear? Alors, on va explorer ceci la prochaine fois. Merci d'avoir écouté. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire après? On doit répondre aux questions sur Google Doc. Alors, je vais écrire maintenant les questions. Le site web que j'ai visité, c'est. Alors, on doit écrire en premier notre nom. Et on doit écrire quel site web est-ce que j'ai visité? On doit écrire. Oh, c'est comme du mot. Et quel aujourd'hui j'ai joué? Le jeu, et on va regarder encore. Et les une nouvelle élément que j'ai appris, c'est comme ceci. Alors, je vais écrire au milieu, semaine 11, concept, concept, semaine 11, alors, concept. Et exploration semaine 11. 11e semaine? Alors, on va le faire un peu plus grand. Alors, c'est mieux pour nos yeux. Je vais surligner ce mot et je vais énumérer ces nombres comme ceci. Quel site web est-ce que j'ai visité? Alors, mon exemple. C'est mon nom, c'est Mademoiselle Pie. Et je vais utiliser surligneur. Ok, quel site web? J'ai visité Music Play Online. Si tu trouves un autre site web, dites-le moi à moi. Et on peut aussi essayer des autres jeux. Je vais donner une autre site web. Alors ça, c'est pour le Music Play Online. Et aujourd'hui, j'ai joué le jeu. Qu'est-ce que c'était le jeu? Which rhythm did you hear? Which rhythm? Oh, en français, c'est avec une sans l'h. Avec anglais, c'est avec l'h. Which rhythm did you hear? Et un nouvel élément que j'ai appris. Alors, l'élément de musique, ça peut être la hauteur, le rythme, ça peut être instrumentation, ça peut être une composition. Et élément, un élément, une élément. Je pense que c'est un nouvel élément, un nouvel. On essaie comme ceci. Alors, que j'ai appris. C'est, qu'est-ce qu'on a appris? Les rythmes de, ici pour numéro 2,
on a appris qu'est-ce que c'est une noire, un noir, un crochet, deux crochets. Alors, un noir égale à 1. Un crochet égale à demi. Oups. Oups. Pas ceci. Comme une demi. Ou deux crochets égale à une et une reste. Alors, ça, c'est mon exemple pour le rythme. Ça, c'est ce que j'ai appris. Alors, regardez l'exemple de Mademoiselle Pine et je vais tout le partager avec vous bientôt. Merci d'avoir regardé mon vidéo et j'espère que vous avoir plaisir de jouer avec ou le Which Rhythm Do You Hear? Ou, attends, close. Soit Which Rhythm Do You Hear? Soit Match the Melody Instrumentation. Alors, je vais faire les autres jeux à la prochaine fois. Au revoir!